Voilà, frères et sœurs, donc sans plus tarder, nous allons rapidement vous montrer la nouvelle version de la BJC, l'œuvre que le Seigneur a confiée à chacun de nous avance et nous lui en sommes reconnaissants. Voilà, que Dieu soit béni. Et voilà, donc l'équipe technique va nous montrer, voilà, la toute nouvelle BJC. Donc là, c'est du gris, n'est-ce pas? Et voilà, c'est du gris, ce n'est plus jaune, comment dire, or, comme c'était le cas, hein, comme c'est le cas avec la première version. Et puis, le chauffard, ainsi que le prophète qui le sonne, hein, donc qui souffle dessus, est incrusté. Donc, le chauffard est incrusté. Donc, également, donc, ils sont tous les deux, le chauffard et le prophète, ils sont incrustés dans la pochette. Donc, du coup, il ne risquait pas de partir, hein. Donc, alors que dans la première version, c'est une colorie, hein. Donc, c'est du jaune or et ça part rapidement, malheureusement. Et donc là, c'est de l'incrusté. Donc ça part, ça partira pas. Et ensuite, donc la première page, c'est pareil que la première version. La deuxième, un peu plus travaillée. Donc, voilà, vous allez certainement le constater vous-même. Et la troisième, tout ça pareil, donc un peu plus travaillé. Le lion qui est davantage mis en exergue. Et voilà. Et là, on va nous zoomer un peu là, Benoît, s'il te plaît, mon frère. Voilà, donc la Bible de Jésus-Christ avec parallèle, notes explicatives, commentaires. On a rajouté concordance, hein, donc il n'y avait pas la concordance dans la première version. Il y a dictionnaire, tableau explicatif, carte, atlas biblique et illustration, bien sûr, strictement interdite à la vente. Et voilà, ça c'est pareil. Donc ce qui change aussi, c'est là, à chaque fois, les divisions par rapport au livre, hein, donc les intros. Et voilà, donc par exemple là, ça vous ne l'avez pas dans la première version. Donc, le Tanakh, et on explique, hein, donc là, c'est la première partie, la Torah. Voilà, la Torah. Et ensuite, après la Torah, donc les cinq premiers livres, nous avons, et là, après, à la fin de la Torah, donc au début du livre de Josué, vous avez toujours le Tanakh, c'est les Névi'im, c'est-à-dire les prophètes, les Névi'im. Voilà, et toujours hein, en bas, strictement interdite à la vente. Voilà. Et ensuite, après les Névi'im, nous allons voir plus loin les Ketuvim. Après les Névi'im, nous avons les Ketuvim. Donc, on va essayer de retrouver les Ketuvim. Et voilà. Donc, nous avons le Tanakh toujours, les Ketuvim. Donc, vous avez vu, il y a la Torah, il y a les Névi'im, Torah, Névi'im, prophètes, Ketuvim, les écrits. Hein? Donc voilà, les trois parties, n'est-ce pas, composantes de du Tanakh, pardon. Donc les trois parties composantes du Tanakh. Donc le Tanakh, vous avez le T, c'est la Torah. Le Na, c'est les Névi'im. Le KH, c'est les Ketuvim. Voilà, donc le Tanakh, au lieu d'appeler cela Ancien Testament, comme c'est le cas dans beaucoup de Bibles, alors que ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est le Tanakh. Donc vous avez la Torah qui contient l'ancienne alliance. Vous avez les Névi'im et les Ketuvim. Voilà. Et ensuite, vous avez, n'est-ce pas, à la fin de deux chroniques, début Matthieu, eh bien, vous avez une autre division. Donc les quatre évangiles qu'on a, n'est-ce pas, par défaut. On a injustement appelé, qu'on a appelé injustement Nouveau Testament, alors que ce n'est pas le cas, c'est les quatre évangiles, parce que la période, n'est-ce pas, qui couvre les événements qui ont eu lieu dans ces quatre évangiles concerne la loi de Moïse. Donc Yeshua était né sous la loi, il a grandi sous la loi, il a exercé son service sous la loi de Moïse, et il est mort sur la croix pour accomplir justement cette loi cérémonielle. Et voilà. Donc, voilà pourquoi on a voulu vraiment, mes amis, éclaircir bien les choses afin que les enfants de Dieu soient davantage enseignés, éclairés, afin de mieux comprendre le plan parfait du salut, n'est-ce pas? Le plan que le Père
a depuis l'éternité dans son cœur pour chacun de nous. Et ensuite, après les quatre évangiles, vous avez une autre division. Et ça se trouve à la fin du livre de Jean et au début du livre des Actes des apôtres. Donc, c'est le testament de Jésus qu'on a malheureusement comment dire, appelé Nouveau Testament, alors qu'il n'y a pas de Nouveau Testament ni Ancien Testament. C'est Nouvelle Alliance et Ancienne Alliance. Et là, c'est le testament de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, c'est à partir des Actes des apôtres, car c'est là que l'Église est née, c'est là qu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, donc la dispensation ou encore l'âge du Saint-Esprit, l'âge de l'Esprit. Voilà. Donc, ensuite, vous avez à la fin du livre d'Apocalypse, à la fin du livre d'Apocalypse, vous avez, n'est-ce pas, les Z, donc ce qu'on appelait les Z, ce sont donc le dictionnaire, la concordance et plein d'autres choses. Donc les Z, et tout de suite après, vous avez bien sûr le dictionnaire qu'on a encore approfondi, n'est-ce pas, qu'on a bien approfondi. Et après le dictionnaire, vous avez la concordance. Voilà, la concordance. Benoît, on va essayer de zoomer si c'est possible. Je te demande, t'en demande trop. Merci pour ton soutien. Voilà, donc mes amis, vous avez une concordance, ce qui manquait dans la première, comment dire, version de la BJC. Donc c'est une concordance qui contient plus de 2500 mots, hein, donc à peu près. Donc voyez tout ça là, c'est la concordance, c'est énorme. Donc vous avez de quoi, mes amis, pour travailler, pour saisir la pensée du Seigneur. Tout ça, c'est la concordance. La concordance, ensuite, vous avez plein d'autres choses que je vais vous montrer. Comme ça, vous aurez de l'eau à la bouche. Après la concordance, donc, vous avez quelques feuilles de notes, hein, donc, pour pouvoir, bien sûr, écrire vos notes personnelles. Ensuite, vous avez les annexes. Donc, le nom de Dieu qu'on ne trouvait pas dans... Donc, il y a une introduction sur le tétragramme, le nom de Dieu, qu'on n'avait pas dans la première version. Donc, le nom de Dieu, on explique pourquoi, hein, le choix de ce nom. Et ensuite, vous avez l'histoire de la Bible, voilà, qui manquait aussi dans la première version. L'histoire de la Bible, vous voyez, c'est là l'histoire de la Bible. Et ensuite, donc, il y a des explications. Vous avez. Comment dire, les différentes traductions de la Bible. Donc là, on a encore bien ajusté les choses, bien approfondi. Et ensuite, vous avez à côté les conciles et les pères de l'Église. Voilà, donc on a approfondi, n'est-ce pas, les informations relatives à l'histoire et à l'histoire du christianisme, l'histoire de l'Église, afin que vous ayez vraiment une vision globale, hein, de l'œuvre, une vision globale du travail que le Seigneur a accompli depuis la naissance de l'Église jusqu'à nos jours. Donc, vous allez découvrir plusieurs pères de l'Église. Hein, donc, ce qu'on appelle pères de l'Église, ce sont des individus qui étaient d'origine gréco et latine, hein, donc, latin et grec, et qui, n'est-ce pas, avaient adhéré au christianisme et ils ont. Pour certains, défendu la doctrine chrétienne. Malheureusement, certains ont, en défendant la doctrine, introduit leur propre doctrine. Voilà. Donc, nous avons également les conciles, donc toujours les conciles et les pères de l'Église. Nous avons les conciles toujours. Vous voyez, c'est bien fourni. Hein? Donc, et là, ensuite, vous avez les dénominations au travers des siècles. Donc, ça, vous connaissez déjà, pour ceux qui ont la BJC, la première version, notamment. Les doctrines, il y a les doctrines, et, hein, les doctrines toujours, les diverses doctrines, et toujours les doctrines, tout ça, donc c'est bien fourni. Et ensuite, vous avez les doctrines et le tableau des monnaies sous l'ancienne alliance, donc les patriarches et Israël, les mesures et les longueurs. Les mesures et les poids, donc vous avez les sept fêtes de Yahweh ici, et là vous avez l'alphabet hébraïque et sa signification, ce que vous avez déjà
ce qu'on retrouve déjà dans la première version. Par contre, le deuxième tableau, le tableau de l'alphabet grec, ne se trouve pas. Et donc là, c'est nouveau aussi. Et là, vous avez la chronologie de Jésus-Christ. Donc ça, pareil, vous l'avez dans la première version. Et donc l'armure du combattant, ça, c'est bon. La statue de Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar, donc vous l'avez également. La bête d'Apocalypse 13, pareil. Là, c'est nouveau aussi. La femme d'Apocalypse 17. La femme, la Babylone la Grande. Vous voyez, donc c'est une belle illustration, donc un dessin qui a été fait par, bien sûr, notre frère Johnny et travaillé aussi en amont par notre frère Yann, donc que je salue. Hein, soyez vraiment fortifiés, vous tous qui avez travaillé énormément pour, n'est-ce pas, la révision pour le travail, pour ce travail. Donc vous êtes nombreux, donc je ne vais pas citer tous vos noms, hein, en tout cas, soyez tous fortifiés, encouragés. Voyez, donc l'œuvre avance, le royaume avance, frères et sœurs. Que Dieu soit béni. Donc, je tiens personnellement à bénir le Seigneur et à bénir aussi toute l'équipe qui a travaillé. Hein. Donc, vous êtes nombreux et soyez tous fortifiés, encouragés pour votre implication dans l'œuvre du Seigneur. Donc, je pense à mon frère Philippe de Toulouse qui a beaucoup travaillé, ainsi que sa future, donc Marine, et plein d'autres qui ont bossé, qui ont travaillé. Samuel, tout ça, David, Yann, vous êtes nombreux à travailler. Donc, soyez tous fortifiés. Donc, je pense à Mike, je pense à tous les frères et sœurs qui ont bossé. Et dans les coulisses, tout ça, dans la prière, vous tous qui êtes chez vous, au loin, et qui avez à cœur ce travail, et qui priez pour nous, qui nous soutenez sous, n'est-ce pas, plusieurs aspects, nous voulons vraiment ce soir vous dire merci. Merci à tous les documents, à tous les défenseurs de la sainte doctrine. Et nous saluons également notre sœur que nous soutenons beaucoup, Adèle. Donc, malgré les combats, les difficultés, on est dans la joie de savoir que vous êtes tous debout pour le Seigneur, pour son œuvre. Hein, l'équipe de documents sur le plan quotidien, Didasco, Ludovic Rouget, toute l'équipe. Donc, vous êtes nombreux, soyez tous fortifiés et encouragés pour cette belle, n'est-ce pas, implication. Voilà, ce bel exemple de, n'est-ce pas, de fermeté, d'amour et de détermination que vous montrez, hein, donc, dans l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur en toi se souvienne de chacun de vous. Et je suis personnellement comblé pour la force que Dieu nous donne au travers de chacun de vous et que toute la gloire revienne au Seigneur. Donc vous êtes nombreux, nombreux. Donc si on ne vous cite pas, Dieu par contre sait ce que vous avez pu apporter hein, pour la réalisation de ce travail. Donc que le Seigneur soit béni, mes amis. Et donc les 10 000 exemplaires seront livrés d'ici le 30. Donc nous pensons, nous croyons que à la veillée du 30, on pourra éventuellement, comment dire, distribuer quelques exemplaires, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont au loin qui en ont également besoin. Et voilà, que Dieu soit béni, mes amis, au nom de Yeshua.